Et salut tout le monde, c'est Shodak. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tuto. Donc, je ne ferai pas souvent de tuto vu que ma chaîne spécialité plus sur le gaming. Mais il va y avoir des fois des tutos, puis des fois des vlogs que je prévois faire avant de pouvoir commencer la vidéo tuto que je vais vous montrer comment faire une intro puis un outro. Je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification puis de mettre un énorme pouce bleu à la vidéo et surtout de laisser un commentaire si vous vous a plu. Donc nous, on va pouvoir commencer à comment faire un intro. Donc je mettrai le lien de la description de la vidéo en dessous. Donc c'est parti. Donc peu importe que vous avez Google Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, peu importe, je ne sais pas si ça marche sur Safari. Vous pouvez alors l'essayer si jamais vous avez un Mac. Donc nous, on fait ça sur Google Chrome. Donc là, oui, vous voyez que j'ai en train de regarder notre écran, vu que j'ai connecté ma télé, mon ordi à la télé. Puis maintenant, je vous regarde sur mon portable. Donc c'est deux écrans à côté de l'autre. Donc on commence là. Donc pour l'intro, je vous mettrai le lien. Donc on va aller sur Google Chrome. Puis le site c'est Panzoid. Panzoid, je ne sais pas comment on prononce trop. Donc on va prendre un intro au hasard. Donc peu importe quel. Je vais aller voir un qui est pas pire. Donc je vais regarder. Et ça, c'est correct. Name. Open. On va juste regarder après. Chargement. Désolé si c'est mal, c'est long parce que des fois, mon ordinateur, il bug. Donc, voilà, c'est là que je vais aller. On va arranger ça. Donc, T. Là, ça, on arrange chaque lettre. Donc, désolé pour tout ça parce que maintenant je vous montre. Donc, ça, c'est un exemple. Si vous voulez modifier votre nom, peu importe, moi je vais appeler tuto. Ok, il y a tout d'autres affaires en même temps? Non, on va regarder le résultat. Ok, here we go. Maintenant, on va mettre ça un peu le son. Ah, désolé pour le bug, on va juste revoir. Ok, arc pour les lettres, on va arranger ça. Donc, chaque lettre, on va arranger ici. Donc, on appuie sur la première lettre. On va prendre lui. Donc, parfait pour celui-là. Voilà. Je mets tout la même, c'est plus long. En même temps, je vous inviterai à voir les chaînes de la Team QC, de Mike Tessier, Mr. Boot, que je vous inviterai à aller voir sa chaîne. Je vais juste regarder. Bon, là, on regarde à quoi ça ressemble. Ah, mon petit boy. Toc. Ok. Donc, on va laisser le même. Les années, ça met sa bug pour vous. Mais regardez. Ah, ça. Ok.
Ok, mais là, c'est bon. Donc, ça peut être bon. Oui, ok. Mais là, on veut le garder. Donc, c'est tout simple, mais on va juste changer les couleurs. Les couleurs, c'est ici, si je me trompe pas. Non. Toc, 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 ça. Non, l'autre. Ok. Je vais regarder la couleur rouge, ça donnerait quoi? Oh! Ah, ça fait beau ça. Et on va mettre une sorte de mauve, mais mauve fausse. Foncer pour voir ça donnerait quoi. Si je mettrais noir, non, noir, ça fait pas excellent. Si j'essaye vert, non, désolé, désolé. Tout orange. Non. Blanche. Alors là, c'est blanc. L'autre côté, on va mettre ça rouge. Jaune. Okay, jaune. Puis l'autre, on va mettre jaune aussi. Donc. Celui c'est lui ici donc jaune en fait tout ça jaune c'est lui non oui jaune aussi bien sûr je vais en faire des petites modifications non c'est pas lui tabac c'est bon ok. Maintenant, ça, si je le mets rouge, non, 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 attends, je vais essayer de l'arranger, vert, je teste, orange, pas exactement quelle couleur prendre, c'est juste ça que on va prendre. Ok, on va prendre lui. Donc celui qu'on a pris c'était genre lui je pense. Fais la couleur. Ok, donc je vais faire copier. Coller. Voilà. Parfait demain. Coller. Voilà. On va prendre cette couleur-là. Et après, ça va ressembler. Ok, parfait. Donc, ça c'est beau. Ça, si je mets blanc, c'est quoi exactement? Ok, non. Donc, ça c'était noir. Désolé, ça mais je regarde pas votre vidéo, c'est que là, je suis en plein montage. Donc, ça c'est beau. Là, on veut le garder. Mais là, ça se passe ici. On va dans Download. Start Video Render. Là, il faut attendre que ça finisse à le télécharger. Il ne faut pas le fermer. Parce que sinon, il faudrait que tu le refasses. Donc, il calcule et il va faire tout ça.
Puis nous, on va se retrouver ici quelques minutes. Donc, à tout de suite. Donc, on se retrouve, il vous restait que quelques secondes. On va attendre pour quelques secondes, ça ne prendra pas trop long. On va attendre que ça fasse au moins les 40 secondes, 35, 34, 33. Il ne reste pas beaucoup, c'est pas très long. Et après ça, on va passer sur YouTube pour savoir comment on fait pour. Il y en a qui sait comment le mettre sur YouTube, là, mais on ne fera pas de vidéo pour. Je verrai pas le moment quand tu envoies ça sur YouTube. Parce que vous avez déjà quoi faire. Vous le mettez, après ça vous le téléchargez, donc je vais vous montrer avec mon intro que vous avez vu présentement mes autres vidéos. Pas toutes, mais la plupart ils ont tout un intro. Donc là, vous faites Download Your Video. Donc vous le téléchargez. Il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Puis, voilà, là donc ici, le mic est marqué vidéo parenthèse 3. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc je vais baisser le son. Donc ça ressemblerait à ça. J'ai pris un truc un peu facile. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, pour un outro, on va passer sur une application de montage. Peu importe que vous avez VideoPad ou autre application pour votre vidéo. Donc moi, je prends VideoPad. Donc je vous montre ça. Avant, bien sûr, il faut que vous trouviez une image. Donc tout d'abord, aller sur Google pour marquer par exemple je vais mettre je sais pas moi ce que moi j'ai pris c'était une photo de démon, donc on prendra pas le même, on prendra un autre. Oh, comme lui est pas pire, donc on pourrait prendre celle-là. On va essayer de trouver une autre. Okay. Donc, pour l'enregistrer. Donc, moi, je vais marquer tuto. Voilà. Donc, moi, il est déjà sur YouTube, sur ma. Ici. Donc, on va ouvrir mon truc d'application que moi c'est là vous avez votre application de montage. Donc qu'est-ce que vous faites? On prend votre image puis vous le glissez. Donc, ça c'est facile. Donc, ça c'est parfait. Là on va arranger le temps. Donc, ce temps-là qui fait 3 secondes. Mais il faut que ça fasse au moins 20 à 25 secondes. Donc, 25 secondes, c'est suffisant. Donc, 8. Ok. Donc, moi, je l'arrange comme ici, c'est pas pire. Donc, là, vous avez fait la première partie de votre outro. Votre outro, vous avez commencé à faire au moins le début. Donc, on va juste l'enregistrer. Donc, save. Il va ouvrir une page. Bon. Puis là, il faut l'appeler tuto. Là, je vais marquer tuto. Ça, pour YouTube. C'est parfait, et voilà, et export. File, vidéo file, voilà, create. Donc ça, ils sont pas très longs, c'est quand même assez vite.
fais juste voir combien de temps ça prend pour l'exporter. On va se retrouver ici quelques minutes. Bon. Là, maintenant que le truc est fini, moi, ce que je fais toujours, c'est clear, complete et team. Et X. Et voilà, là, vous avez fini votre ce que vous avez fait. On va le fermer. Et on va le voir dans la vidéo. Et il se trouve ici. Il se trouve, votre vidéo il se trouve ici. Donc ça, c'est mon outro. Donc je vais vous faire entendre. Parce que oui, j'ai fait un 2. Je ne sais plus quelle exactement est la bonne. Et là, on va passer directement à YouTube. Donc, on y va tout de suite. Bien sûr, moi je suis déjà à ma YouTube ici. Vous passez à mettre en ligne. Oui, j'étais allé voir le live de Team QC qui avait de super vidéos. Là, il faisait une vidéo sur Fortnite. Non, là, vous passez à mettre en ligne. Je sais que là, vous dire c'est facile tout. Je sais que c'est facile, mais pareil, je vais vous montrer comment ça marche par la suite. YouTube, ça, ouvrir. Et voilà. Donc, ici, vous marquez, il est marqué public. Mais là, vous mettrez non répertoire. Donc, on attend un peu. Moi, j'attends toujours qu'il soit en 100%. Et voilà. Donc, non répertoire. OK. Donc, on va revenir à votre chaîne. Donc, mon ordinateur est lag. Désolé. Quand je vous dis encore, c'est une ordi. Comme ici, c'est tous des abonnés que je regarde, mais j'ai pas vraiment le temps. Désolé encore pour ceux qui regardent la vidéo. Donc, vous passez à ma chaîne. Sinon, je vais le fermer parce que c'était les trucs que je voulais faire. Bon. Là, personnaliser la chaîne. Ça, on veut pas voir. À un moment donné, je vous montrer comment faire le petit. Comme le truc, vous avez vu une tête de mort. Je vais vous montrer comment on fait. Mais ça ne va pas aujourd'hui. Donc, là, on va aller dans gestionnaire de vidéo. OK. Donc, ça s'en vient. Bon. Là, vous voyez, il est ici. Avec un truc pour dire que vous avez mis. Non répertoire. Il faut aller dans modifier. Après ça, on va aller dans fin et annotation. Et quand on est là, on va ajouter. Là, ça, c'est ça. Il ne sera pas là, vous autres. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on ajoute ici. Bon, là, on va mettre le truc de s'abonner. Là, c'est pour votre chaîne. Par exemple, ça, c'est ma chaîne à moi. Mais que vous voulez mettre une autre affaire. Mais vous allez ici. Mais une autre affaire. Donc, ça, c'est fait. Là, vous voulez acheter votre truc de vidéo que vous avez mis en arrière. Mettez, par exemple, votre dernière vidéo que vous voulez qu'on visionne. Mais on va l'ajouter. Donc, on va aller dans attention. Ah, je vais regarder ça pour voir. OK, ça, c'est pour le nom des chaînes que vous voulez qui rentre à votre pour qu'il y en ait qui puissent s'abonner. Donc on va voir si je regarde ici, je vais juste voir quand je vais marquer par exemple Mike Tessier. Mike Tessier. Donc on a la chaîne ici, donc on va aller dessus sur son channel. Là, vous prenez le lien. Copie. Coller. Et voilà. Là, on fait créer l'élément. Un grand merci à. Là, je vais marquer. Un grand merci à Mike Tessier. Parenthèse QC Mike THC. Mettons ça. Fait créer. Et voilà. Donc, vous avez genre créé une chaîne pour des personnes. Par exemple,
Ma chaîne à moi, puis la chaîne à Mike. Donc, je vais mettre genre de même. De même. Donc, vous pouvez acheter n'importe qui. Ça peut être la TMQC, ça peut être Canal Fil, ça peut être. Peu importe. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez genre mettre de même. Là, vous voulez acheter une vidéo ou une playlist. Donc, créer. Dernière vidéo mise en ligne. Créer. Donc, la dernière vidéo mise en ligne s'affiche ici. Et voilà. Donc, vous avez vu. Donc, on va regarder le résultat. Donc, ici, vous pouvez vous amuser à mettre le truc du temps. Donc, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, si vous aimez, vous pouvez genre l'enregistrer. Donc, enregistrer. Après ça, avoir un aperçu. Donc, on regardait un petit aperçu, ça va ressembler à ça. Ça, c'est pour votre outro. Et quand vous avez fini, mais je vais vous montrer aussi comment arranger pour avoir de la musique, parce que ça, faut t'arranger encore ta vidéo que tu avais faite avant, que c'est un tuto YouTube, genre YT, et tu mets une petite musique que tu peux mettre sur YouTube. Peu importe que ça soit quoi, il faut que ça soit assez simple, faut pas que ça soit atteindre des droits d'auteur. Donc, nous, c'est ici ça se termine. On va vous montrer après ça comment. Oui, avant, je vous disais que vous pouvez genre le mettre en ligne, vu que c'est fini. Par exemple, moi, je ne le mettrai pas. Moi, je vais le mettre genre privé. Pour moi, parce que c'est pas. Je fais pas ça pour mon intro. Je fais pas ça pour mes vidéos. Je fais ça pour en tant que tuto. Donc là, j'ai mis privé. Donc ici, c'était Shuda qui vous dit bonsoir et à la prochaine, puis je vais vous montrer comment mettre votre intro et comment arranger ça, vu que moi j'ai déjà fait. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Peace!